quand je vous dis que je n'arrive pas à m'arrêter à jouer à Unicorn Overlord, je ne vous mens pas. J'enchaîne. J'avais prévu d'en faire que deux, j'en fais quatre, comme la semaine dernière, mais c'est très bien. Tant pis pour Breath of the Wild, je jouerai un peu moins cette semaine. L'épisode arrivera plus tard, voilà, l'épisode arrivera. Non, en vrai, l'épisode arrivera dans tous les cas plus tard que prévu, puisque j'aurai moins le temps de faire les doublages et compagnie. Donc, c'est pas grave. Normalement, je devrais quand même pouvoir rentrer dans le planning. Hein. J'ai déjà commencé le tournage du prochain épisode, donc ça devrait le faire. Et là, j'ai un peu le temps de faire du Unicorn. Et puis, j'ai envie de faire du Unicorn. Donc, faut écouter ses envies aussi de temps en temps. Ça fait plaisir. Enfin, souvent d'ailleurs. Je marche beaucoup comme ça. Hop. Allez, on va continuer notre déplacement, nos attaques. Alors, toi, tu peux aller là, c'est très bien. J'aimerais des plus. On va essayer d'autres. Le fort, s'il te plaît. Attendez, hop. Poste de commandement fort plein. On va déployer nos autres unités. Hein. Tant qu'à y être. Hop, fort plein, déployé. Il me reste Chloé. Si j'arrive à tuer quelqu'un avec Chloé, pourquoi pas. Hein. Attendez, hop. On va prendre tout ça. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, vous, on vous tue. Finito. Niveau 12 pour Berengaria. Un point de bravoure entier. On va aller là, direct. Toi, on va tirer. On va tirer sur le fort de Gué. Ben, on va faire pareil. On va juste passer le combat. On les éclate. On n'a pas besoin de regarder là pour le coup. On gagne plein d'XP, 193, c'est pas dégueu. Berenerys qui passe niveau 14. Tchac. On va se faire percuter par les trucs malheureusement. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus combattre eux. Ça va faire plaisir. Morsure de vipère, ok. Écrasement. Jbonk. Hache déferlante. Esquive. Toi tu prends du poison. Hache déferlante. Re-esquive avec évitement. Joute. Et boule de feu. Et rejoute. Ok. Oui, il fonctionne toujours bien. Hein. J'ai pas à dire. Hein. Non mais toi je peux te faire aller. Là, ça a bien cramé. Parfait, niveau 9, niveau 11. Ok, alors vous. En vrai, je crois que ça sera plus rapide de se replier. Et quand on aura capturé ce fort, de les refaire sortir d'ici. Ah, mais en même temps, non, mais quand on aura capturé ce fort, ce sera la fin, je suis bête à moi. C'est la fin de la bataille, là. Qu'est-ce qui fait qu'on les tue pas? Non plus. Là c'est pas fifou. Là c'est mieux. 177. Bon, dans tous les cas, on gagne presque. Hein. Morsure de vipère, ça dégage. Lui il se fait bonquer la gueule. Ça c'est une belle esquive. Sinon, Travis, il clame C. 30, ok. Boule de feu. Ici magique, c'est ce qu'on prend, contre magique, ça c'est fort. Bah à la fin, lui il meurt, c'est parfait. Et du coup, est-ce qu'il fait... Ah il a plus la... Bah non, il a fait le contre magique du coup, il a plus le brasier à la fin. Oui, j'aurais bien aimé que tu aies un deuxième PP.
Hop. Pas mal ça. Toi, tu dégages. On a l'XP 675. Pas dégueu du tout. Traité militaire de standard. Poste de commandement. Et bah parfait. Ok, ça on peut le faire en boucle. Hein. Donc la catapulte c'est vraiment fort pour taper des ennemis. Hein. Gagne 13 médailles. C'est hyper fort. Rose et puissance, stratégie standard et lance de chevalier fantôme. Il reste d'autres sigils magiques, alors nous devrions garder l'œil ouvert. Je ne m'attendais pas à ce que les sigils nous procurent de tels équipements. Quoi qu'il en soit, il y a d'autres sigils à travers Févrix qui gardent l'œil ouvert, d'accord? Tu viens de le dire, ça. On a une lance. Est-ce qu'elle est mieux que celle-là? Ok. Lance courte. Lance de chevalier fantôme. Attaque ennemi inflige moins 1 PV, moins 1 PP. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. C'est d'attaque magique. On a eu des objets également. Traité de militaire standard confère 300 d'XP. Un allié sélectionné confère 3 fois de plus d'XP si son niveau est égal à inférieur à 20. Ouais, donc tous les niveaux inférieurs, ça c'est, ça marche bien. Hein. Minerai de cuivre, ça fait quoi? Ça partage vie, ça c'est celui qu'on avait acheté. Rosée de puissance, une goutte mystérieuse, rayonnant de pouvoir augmente de 1 l'attaque physique de la cible. Mec, c'était pas très bon. Je vais te donner ça. En dessous de niveau 20, donc c'est bien pour ceux qui sont... C'est au niveau ouais, 15 en vrai. Hein. Au niveau 13. Entre 10 et 13 quoi. Entre 10 et 20 pardon. Sinon on a les autres qui sont en dessous. On aura besoin de qui? Après 600 d'XP. C'est 300, ça fait 900 d'XP. 900 d'XP pour un niveau 8 c'est fort aussi quoi. Vous voyez, moi je vais le faire deux fois sur elle. Comme ça elle passe niveau 10 et elle obtient le rafraîchissement. Ah, supprime. Ah merde, c'était pas ça que je voulais, moi. C'est pas une ecclésiastique, ça? Ah, ok. Bah, du coup, elle a pas la résurrection. Merde. Je voulais qu'elle ait la résurrection, mais non. Bengara, t'es niveau 12. Je vais te faire passer niveau 13. Hop. Pareil pour Virginia. Presque. Pareil pour Myriam. Attendez, c'est Benaris qui est niveau 13, qui est niveau 14. Bruno... Niveau 10 en vrai, c'est pas dégueu. Peut-être débloquer quelque chose. Non. Ok, on va garder un petit peu de ça encore. Vous êtes suffisamment fort. Ok. Mais au niveau de la cible de 1, ça, on va garder ça pour les niveaux 40 et plus 1. Un autre prince, c'est la quête principale. Quête secondaire. Le Homéran. Ça, elle est mystérieuse. Ça, c'est pas une quête de libération. Ça, c'est une quête secondaire. Ok. Il y a vraiment un milliard de quêtes hein, différentes. C'est vachement cool. Supplémentaire. Est-ce que je peux refaire ça? Et juste, je farm l'XP? Ah, c'est pas tout à fait la même. Intéressant. Pas tout à fait la même disposition. C'est très similaire, mais c'est pas tout à fait la même. Donc en réalité, ce qu'il me faut, c'est... Vous êtes de niveau un peu supérieur. Bon, en réalité, c'est pas si mal. Toi... Toi, t'es une belle unité de merde. Je vais te mettre là. En termes de niveau, hein, je parle. Même si en termes de non-niveau, c'est pas foufou non plus. Toi, c'est très fort. Et on va mettre toi. Toi, vous allez tout découper. Ok. Vous, vous allez prendre la catapulte. Aïe, attends. Ça tire tout seul cette merde. Ok, ok. Bah, du coup, on va se déplacer gentiment. Ouais, et toi, on va tirer. Comme ça là, hop.
surtout ça. Comme ça, ça crève bien. Boum. Unité à l'intérieur, elle crève. On va faire pareil. Ok. Toi, tu peux tirer. Pas sur les mages. Le problème, c'est que ça va pas tuer eux. Ouais, ça va tuer le mage. Ça gagne en niveau. Ok. Vous êtes là. On va passer. Est-ce qu'on gagne de l'XP ou pas? 183. On gagne de l'XP, ok, c'est intéressant. Franchement, on va juste faire ça. Parfait. Oh non! Bon bah rip hein. Rip. Paf. Ok, il y a lui qui va taper. Re-rip aussi. Ça te passe bien. Bah du coup lui il va juste taper. Ils se font éclater, très bien. Donc nous ce qu'on peut faire, c'est toi. Je t'envoie là. Toi, je t'envoie ici. Puis là. Là, il va aller chercher la... Non. Prends pas la catapulte, ok. Ça me va. Je vous tue. Ça fait gagner de l'XP. 90. Ouais, 100. C'est ok. Je vous tape. L'arme que vous voyez ici s'appelle une balise, mon prince. Tant qu'elle a des munitions, vous pouvez l'utiliser pour attaquer continuellement une cible ennemie. C'est une arme puissante en effet si elle est utilisée à son plein potentiel. Les balises sont des armes de siège qui peuvent être utilisées pour n'importe quelle unité, stationner une unité, puis sélectionner une cible et attaquer automatiquement. Ok, on va pouvoir le taper. Toi, tu clams. C'est parfait. La question, c'est est-ce que toi, je peux te taper? Moi, je peux taper les trois, là. Je peux taper les deux, là. Je peux même taper les deux là. Je crois que c'est mieux. Est-ce que je peux pas taper les deux là plutôt? Non, 50%. On va plutôt faire les deux là. Toi, tu les tues presque tous. Hein. Déployer une autre unité. Toi, tu déploies, tu déplaces vite. Plus vite que les autres en tout cas. Merde. On l'a pas tué. C'est bien s'il me semblait qu'on l'avait pas tué. Et lui hein. Paf, toi tu tapes. Parfait. On est tabassé hein. Là, on va gagner des niveaux, 96, 96, niveau 12, niveau 10. Attaque deux ennemis, ça c'est très bien. Double tir. Ok. Alors toi, du coup, je peux tirer. J'aimerais tirer les deux là. Ok, on peut pas tirer les trois en tout, donc c'est dommage. Vous vous dégagez. Hop. Tu les tapes toi ou pas? Tu les tapes pas tant que ça. Hein. Tu crèves pas non plus quoi. Boum, les deux clams. Bien joué Bruno, bien joué Selvi. Bien joué Sébastien, c'est tellement fort cette merde. Attendez quoi. Permettez-moi de vous dire que c'est pété hein. Pour n'importe quelle unité. Tu lui mets. Tu le mets dans la catapulte, tu tues 25 personnes. Et ça tue tout, hein. Parfait. C'est bien l'archer qui prend des dégâts. Paf. Arme fantôme, ça c'est chiant. Pas de garantie.
Parfait. Encore mieux. On s'est soigné elle, d'accord. Alors je vais aller voir ce qu'elle a prime comme... Oui, la cible inférieure à 100. Ah mais c'est parce que c'est touché par une attaque, ok. Alors je vais pas faire PV de la cible, on va faire pourcentage le plus bas. Hein. Voilà. Ce sera mieux. Vas-y, t'appeler, hein. Ah mais j'aurais dû mettre Oshis devant par contre, j'ai pas pris de dégâts. J'ai pas pris de dégâts. Ouais, Lex a pas pris de dégâts cela dit. La frappe finale, il la prend, ouais. Il prend la frappe finale. Là j'attaque le... ouais. On fait moins de dégâts par contre. Ça dit, je prenais pas de dégâts, je me soignais en plus. Je prenais pas de dégâts là. Lex en tank il est ok, hein. Ça dépend contre qui en réalité. Ça c'est pas mal contre, contre l'archer là, enfin contre le lancier plutôt. Toi tu dégages et toi tu prends un gros coup de marteau. Un gros jebon cul de Kitra. L'autre se fait canarder. Le machin se fait canarder. Piou piou piou. Bon. Parfait. On gagne de l'XP hein. C'est vraiment pas dégueu. Hein. Toi je te tue toi. Parfait. Petit coup de bouclier là. Niveau 11 pour Kitra. Là on peut pas prendre, on peut pas capturer ça. Là on va te tuer. Hein. C'est parfait. Je suis pas mis en repos. Ok. On gagne de l'XP encore, ça c'est parfait. Tchac tchac tchac. Non. Non plus. Téléportation. Hop, ce sera plus rapide, hein. Du coup, attendez. Si je pouvais avoir mon unité, Salvi, non. Alain, Oshils, Clive, Charon. Voilà. On se fait canarder. Des petits 5 par 5. Piu piu. Je bonk. Aïe. Hop. La joute. Les flammes. Les flammes de l'enfer. Parfait. Et max de niveau. C'est pété les sigils. Hein. Traité militaire x5. On gagne des traités militaires standards en plus. Ok. Mais tu sais ce qu'on va faire pour farmer l'XP. Hein. C'est incroyable. En plus c'est complètement teubé. Hein. Celle qui était niveau 7 là, l'unité, avec la catapulte. Et on gagne des médailles en plus. D'accord, hein. C'est complètement con. Hein. Lui, il est passé. Il est passé niveau 11, 12, 10. Ils étaient 7 et 8 là. Ils ont rien foutu, ils ont rien foutu du combat. Mais ils ont tout tapé. Donc, ce qu'on va faire. Parce que là, il y a un fort que je ne peux pas taper. Ok, il n'y a pas... y a pas de fort là. C'est pas le bon fort. Il y a bien un fort quelque part. Voilà, il y a un fort quelque part. On va, avec nos 50 médailles, agrandir nos unités. Salut toi. Tu vas passer à 4. C'est incroyable. Et Ah, faut être niveau. Attends, quoi? Pour agrandir la taille maximale de cette unité à 4.
du coup à 5 plutôt, vous devez être de renommée A ou supérieure. Ah, c'est pas rang B, c'était pas rang B ? En bas. Pas rang B ? Non, c'est rang A. Ok, bah le rang B il nous apporte quoi ? Je pensais que le rang B il nous apporterait à 5 et le rang A à 6. Ça me paraît étrange. Ok, paf paf paf, c'est complètement con. C'est complètement con, hein. En plus, on récupère ça. Parce que quand on fait les batailles, ça recharge les trucs. Bonjour. Non. Livraison, dites-moi que je peux. Non, deux bois modestes, il me manque. Truc horrible. Je vais en trouver dans la forêt, non ? Des petits bois modestes. Non ? Bon. Tant pis. Par contre, on est d'accord que c'est complètement con. Non, je crois que c'était un halo blanc, là. On est d'accord pour dire que les sigils, c'est super fort. C'est incroyable, même. Celui-ci, il est incroyablement pété, hein. Pour farmer, hein. J'ai presque envie de le refaire, quoi. En vrai, il n'y a pas spécialement besoin pour le moment, je pense. Parce qu'en plus de ça, en plus de nous donner de l'XP, ça nous donne des... Les traités militaires standards qui nous donnent 900 d'XP. C'est... Allô. Ah si, là, avec ses compagnies, on va les mettre dans la catapulte. On va les faire canarder la catapulte. Et gagner de l'XP. En vrai, c'est très bien, hein, parce que ça nous permet de... d'avoir l'XP de nos personnages plus haut. Hein. En vrai, c'est très très bien. Formation des personnages, par contre. Enfin, formation des unités. J'ai une unité à 4 qu'il va falloir que je forme. Alors toi, comment je fais pour que tu sois mieux? Est-ce que je te mets pas juste tout simplement Mordone? Comme ça, ça fait un peu plus de dégâts, et tant pis pour Chloé. On laisse tomber Chloé. Ou alors j'ai encore des unités, attendez. J'ai des unités que je n'ai pas attribuées là. J'ai Joseph qui n'est pas attribué. J'ai Julie, j'ai Gaspard et j'ai Nina. Bon, ceux-là, c'est deux trucs. On va mettre... Ouais, on va mettre Nina avec Chloé. Et puis voilà. Mais vraiment, histoire de 1. Hein. Niveau 13, on va pas tant gagner que ça. Avec la catapulte. Eux, ils sont niveau combien? À 12, 12, 12. En vrai, ça vaudrait presque le coup de les mettre eux dans la catapulte. Non, mais on a une mission ici qui est de... Les rebelles ici, nous ne sommes pas dans de taille pour les repousser, mais inutile de se lamenter, nous allons nous battre de toutes nos forces. Il y a une bataille ici aussi, la bataille de plein. Niveau 14, non, c'était pas celle-là que je voulais faire. C'est la quête secondaire assise niveau 14. Ah bah je peux faire celle-là aussi, hein, cela dit. La bataille de plein, on va faire celle-là. Allez, on va faire ça. La bataille de plein, et on fera la prochaine dans le prochain épisode, si j'ai fini celle-là dans celui-ci, hein. Mais c'est pas... Ouais, si, ça devrait être fait. Capture le poste de commandant ennemi, il y a un truc à droite, faut faire gaffe. C'est quoi ça, c'est un arbalétrier? Serre noire, ouais, arbalétrier... On a des éclaireurs qu'on va donc avoir notre épéiste. Et trois piafs, ok. Alors, on va sauvegarder tout de même. Ce serait dommage de faire de la merde. Alors attendez, hop. Maintenant, par contre, je mets qui? Contre des piafs. Bon, lui, c'est obligé. Lui, c'est obligé contre les voleurs. Ensuite, je peux aussi mettre Clive. Mais non, non, ça n'a pas marché. Est-ce que toi, justement, je te mets pas contre eux? J'essaye. Tu me dis que peut-être tu as suffisamment de puissance pour le faire. Et je finis par toi. Maintenant que, vous êtes 4, on peut peut-être essayer. Allez. Je vous mets 2 dégâts. Vous, je prends cher. En vrai, contre le boss, c'est pas si mal. Ok. You'll not be disappointed.
C'est chelou. Je pensais pas que je prendrais si cher avec eux. Les arbalétriers me tabassent. Ça dit, j'ai un piaf, donc c'est logique. Vingt-neuf. Comment je peux organiser le combat différemment? 46, ça me plaît bien. Non, 29. Et comme ça, 29 aussi. Non, bah comme ça, c'est très bien du coup. Tu tapes au milieu. Est-ce que gros bouclier il tape? Un gros marteau, ok, on tue celui du milieu. Parfait. Et le reste, on se foire. Hein. Le reste, c'est que du raté, je crois. Ah non. Mais elle se fait soigner, donc on s'en fout. On lui a mis 15, mais il se soigne de 6. Ok. Et on repart en combat, les copains. Et ben, remeurt. Hein. Tant que ça la projette pas sur le gros jebon. Aïe. Tant que ça le projette pas sur le campement. Ça va. I'll do what I can. Of course. Et du coup on va être obligé de taper eux. Tu l'as dit, c'est pour eux qu'on les a pris. Hein. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Et ça ne change rien. Ok. Soutien à distance. Ah, c'est ça qui nous prend cher. De toute façon, on va se faire soigner par la... par Myriam. Toi, tu meurs. Toi, tu nous empoisonnes. Et toi, tu fais soin sur toute la ligne. C'est parfait. Toi, tu esquives avec évitement. Et derrière, tu te fais bonquer la gueule. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Que Myriam, elle tapait un peu après. Elle avait une moins bonne initiative et c'était bon, quoi. Toi, t'es pas mieux à taper lui. Clairement pas. Et on va t'utiliser toi, ça sera mieux. Ça, c'est très bien. On va faire ça. On prend 77 dégâts quand même, hein. À cause de ce qu'on va archer là. C'est pas bien grave. C'est que l'archer voilà qui nous inflige des dégâts et eux ils gagnent un peu de niveau comme ça. C'est parfait. Bah, du coup on va gentiment se barrer. Ah quoique on les tape. Hein. Je sais pas comment on fait pour gagner mais. Bon faut taper l'arbalète quoi. On prend 33. Ce qui me fait dire que c'est pas quelqu'un qui meurt en particulier. Sur la ligne. Projectile toxique. D'accord, Barry. On s'est pris 34 à la gueule. Bon, en même temps, le piaf, c'est logique qu'il se fasse buter hein, face aux arbalétriers. Fro, c'était un peu présomptueux de ma part de penser que je vais pas me faire surprendre, quoi. Tant 2, c'est gérable. Si on les tue avant. Tant 4, c'est chaud. Parfait. On a Virginia qui passe niveau 13. Alors, toi, on le tue. C'est parfait. Aïe, soin, je bonk. Et coup de marteau. Parfait. 3 niveaux. Bah ça c'est pas cool. Ça c'est pas négligeable. Hop. Tout sur cette merde. The Cornian militia fights. Do you need something? Understood. Alors, les piafs. Je vais prendre un soutien à la gueule.
Vous étiez mieux sans le soutien, donc on va faire sans le soutien. Tintalalan. Paf. Malédiction cinglante. Raté. Aïe. Gonflette. Regonflette. Ah ok, lui il a pris un peu cher, mais c'est dommage, il a pas attaqué. 26. Ouais, ça soigne quoi. Alors, au chills. C'est nul. Mais on tue personne avec ça. Vas-y, hein. Ils sont étonnamment un milliard de fois plus forts. Non, parce qu'ils se soignent du coup. Et peut-être que c'est lui, c'est Gonflette qui se foire cette fois. Ouais, je pense que Gonflette il foire son tir et du coup. Comment on tue lui ? Ah, c'est ça, il foire et. Ça leur inflige pas de dégâts quoi. Bon, comment je tue le piaf ? À part avec eux. Bah, avec eux, hein. Ouais, mais tu meurs aussi, hein. Ça bute le cheval en arrière, alors que là. Là, du coup, il n'y a plus le tank au milieu. C'est pas dégueu. Parce que toi, tu en tues deux. Et toi, tu vas faire des dégâts. J'espère juste que tu vas pas faire des dégâts en double. Ah, c'est ça, il fait le double tir, ce con. What? Bon, ça en a pris 45 là. Wouah. Il a pris super cher le gars. Waouh, ça s'est joué de peu parce que. Il aurait pu ne pas se faire soigner. Hein. Il y a un monde où il mourrait là. Hein. Bon. Ok, bah là voilà, c'est mieux. Bon là ça meurt hein. Plutôt utiliser eux. Lui se fait buter. Puis lui il se prend un critique. Allez, elle va se foirer. Ah c'est ça hein, elle se prend 84. Wow. Myriam elle a pris cher là. Le piaf. Piaf ça tue. Ce qui est bien c'est que même quand ils sont morts ils gagnent de l'XP. Ça c'est cool. Ça c'est vachement cool. Ok ok. Bon, ils ont pris cher. Hein. C'était sûr que piaf contre cheval, ça allait prendre cher. Hop. Mais je préférais que ce soit cette escouade-là qui prenne l'XP pour le coup. Ça, c'est pas mal. Des médailles. On va sauvegarder. Hop. Deux médailles. Bataille de plein, 4 médailles, du budget de guerre. Et de la renommée. Les bandits de la Serre Noire sont soutenus par Zenyra, c'est un groupe très puissant. L'armée libératrice a été remarquable en parvenant à les chasser. La thune, plein de trucs, ok. On va rien faire pour le moment. Bataille simulée, promotion. Promouvoir une personnage vers une classe avancée. Ah, c'est là où il faut être niveau B, ok. Toi contre toi, du coup, ça, il se passe quoi ? J'aimerais savoir ça. Malédiction cinglante déjà. Toi on a l'ul. Toi tu prends un 17, tu fais gonflette. Toi tu prends un gros coup de marteau, tu refais gonflette. Toi tu prends un 29, tu prends plus rien. Profondeur, tu esquives. Toi tu tapes. Ah on prend un brûlure. On va prendre 20 quand même du coup. Il meurt pas, là on soigne et c'est tout. Ouais, c'est pas incroyable le combat. En même temps, c'est bien aussi, ça veut dire que nos unités elles tapent. Alors, Griffon a infligé un coup unique et dévastateur aux classes de cavalerie. Ça oui. Cavalerie dans la gueule et on prend cher.
Évidemment, ça meurt. Là, on les tue même pas. Hein. Ah, mais il me faut un piaf. Il me faut deux piaf. Je tape pas assez vite. Elle tape en arrière, ça va tuer. Ouais, c'est ça, ça tue notre bonhomme. Hein. Non, bah, on fait rien, on va pas prendre le risque de crever. Il y a plein de thunes là. Qui démantelé. D'ailleurs, il y a un peu trop de thunes pour que ce soit pas suspicieux. Ok, là on arrive près de Cornia, je crois. Enfin, de la capitale en tout cas. Du coup, c'est super bouché. Ouais, c'est ça, tout le tour ici. Je pense qu'il est bouché. Hop. Bon, est-ce que ce village, je l'ai restauré? Oui, c'est bleu. Alors, celui-ci est jaune. On va aller voir si je peux faire des livraisons. Parfait. Hop. Plus il y a un port, donc on peut aller ailleurs. Cette ville était au bord de l'effondrement. Qui sait ce qui serait arrivé sans votre aide? Nous vous sommes éternellement redevables. Ok. Poster un garde. On va poster un garde, on va mettre Gaspard. On peut embarquer. On va pas faire ça maintenant. Il faut garder ça en coin de tête. Je pense qu'on peut aller là en vrai en embarquant. Mais je vais pas. Ou alors c'est là peut-être. Ouais, on verra. Gravure d'hippocampe. Et gravure de sirène. Gravure de licorne. Gravure de griffon. Ah bon, on les a tous. Enfin, on les a toutes. Alors là, il faut encore y accéder par là. Ok, on les a toutes les gravures. Ok, ok. Mais l'hippocampe, comment j'y vais à l'hippocampe? C'est justement avec ça, peut-être. Ah, on verra. Pour le moment, on va voir si je peux faire des livraisons. Je peux tout livrer. Parfait. Ça, on gagne des médailles. Grâce à vous, la mine a rouvert. Voilà une bonne nouvelle. Oh, il y a une mine ici aussi. Ah, ça m'intéresse par contre. Poster un garde. Mettre Adèle. Il y a une mine là. Elle est où la mine? Je vais te parler à toi. J'ai mis 20 blocs de pierre de côté pour vous, je vous les laisse pour 2000 d'or. Vas-y, donne-moi. Merci, je vous en garderai encore pour la prochaine fois. Ok, c'est toi la mine. Bah, c'est parfait, ça va permettre de réparer le pont, ça. C'est génial. Hop. Pouvoir réparer le pont pour la quête, ça va être parfait. Hop. Alors, où est-ce qu'il y a de la... il y a du jaune encore? Ici. Livraison. Ah, il me manque un bois de cornute. C'est scandaleux. Il y en a pas là par hasard, dans la forêt là. Boîte cornute, parfait. Zou, livraison, restauration, prends ton boîte cornute. Piou. Nous vous demandons beaucoup, vous avez la gratitude éternelle de tout le village. Hop, ça fait quoi la livraison? Ça donne... Ah, ça donne des médailles de faire des livraisons encore. Hein. Et ça, c'est pas mal. C'est un garde, Nina, Myriam, Kitra. On va mettre Kitra. Allez, hop. Ensuite, nous avons ce petit village ici. Et j'ai tout ce qu'il faut. Parfait. Du coup, je crois qu'on a à peu près tout ce qu'il faut. Hein. On a fait tous les villages, là, je crois. J'ai le sentiment que nos longues années de souffrance sont peut-être enfin derrière nous. Nous pouvons avoir foi en l'avenir grâce à vous tous. 15 de renommée, carrément. Allez, on va mettre Aramis. Cercle de pierre, on sait pas. Hein.
Hop. Pas modeste, parfait, je crois que c'est tout. Hein. Si je regarde, toutes les maisons sont bleues. Hein. Toutes les maisons sont bleues. Du moins celles qu'on a déverrouillées. Donc c'est pas mal. On va pouvoir aller faire le pont. Juste savoir à quoi correspond le pont. Maintenant qu'on a les 20 pierres. Appelez Kitra. On a tout ce qu'il nous faut pour la réparation aussi, mais quand vous voulez. Réparer le pont. Parfait. Vous avez perdu 30 pierres de quartzite. Le pont est réparé, vous pouvez maintenant traverser. Parfait ça. Et 20 de renommée. Prince Alain, le château de Grand Corinne est droit devant. L'ultime combat contre notre ennemi Valmore nous y attend. Quête principale, la licorne libératrice. Ah ! Niveau 40, d'accord. L'ennemi est des niveaux bien plus élevés que vous. Vous avez peu de chance de l'emporter. Non, 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 non. Ah oui, d'accord, mais c'est clairement une quête principale. On n'y est pas encore du tout, là. Ah oui, c'est faux. Ok, on a plusieurs quêtes principales à la fois, du coup. Secondaire. Principale. La bataille d'Adopti. Ok, ok. J'ai les 26%, on devrait pouvoir aller le voir, lui, là-haut. Oh, vous avez complété 25% de votre carte. Bravo, permettez-moi de copier ça sur la mienne. 30 points de renommée. Vous voyez ce village sur la carte, c'est là que j'ai rencontré ma défunte épouse il y a bien longtemps. Repassez donc me voir quand vous aurez complété 50% de votre carte. Alors... D'accord que 25%... Ah si, c'est ça, hein. C'est 50%, c'est sur toute la carte entière. Hein. Je pense que c'est pas que la région. La Cornéa, c'est la plus grande. Hein. C'est la plus grande. Ok, ok. Alors... Je pense que là, nos unités sont suffisamment bien rodées, là, pour pouvoir potentiellement aller se faire la bataille de niveau 14. On va aller se faire on se fera la bataille de niveau 14 ici, là, et on se fera ensuite la bataille ici, là. Ça me paraît bien. Est-ce que toi, je peux te tuer? C'est avec mon piaf, je peux te tuer. Pas besoin du piaf, toi, ça suffit. Notre superbe équipe suffit. Je bonk. Bon 14 étourdi. Abattage équin. Et la poursuite. Lumière sacrée. Re la poursuite. Toi tu dégages. Boule de feu. Lol. Toi tu tapes. Toi tu retapes. Ok. Et je bonk. Parfait. On avait large encore de quoi en tuer deux. Hein. Ce sera tout pour cette fois, merci à vous majesté. En tant que classe de cavalerie, nous sommes vulnérables aux classes volantes. Alors soyez toujours attentifs à la formation ennemie. Quoi qu'il en soit, revenez quand bon vous semblera majesté. Parfait. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode. On va sauvegarder. On se retrouve je ne sais pas quand pour la suite. Soit la semaine prochaine, soit cette semaine. Je pense que ce sera cette semaine puisque je devrais avoir le temps d'en tourner d'autres. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.